Bam, salut les jacos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au surfskate. Aujourd'hui on va s'intéresser à un nouveau surfskate, donc on va réaliser un test, le test de la Carver Green Room C7. Donc là c'est les trucks C7 de Carver. Hop, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le truck de Carver où on a ce système articulé. Donc il y a deux trucks chez Carver, le CX qui est plus stable et plus adapté au ball, au pump track, on en avait déjà parlé, et le C7. C'est une board que j'ai acheté il y a quelques mois. Je l'ai acheté parce qu'elle est assez particulière. Elle est grande, on le voit, hop, quasiment 34 pouces. Donc c'est cool pour les grands gabarits ou les personnes qui veulent aller chercher des angles un petit peu larges. Il y a une wheelbase de 18, si je dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment une planche facile à prendre en main dans le sens où il y a de la place sur le deck, on va pouvoir très facilement être à l'aise. Par contre, grande wheelbase, donc beaucoup d'énergie à mettre pour aller générer de la vitesse. C'est le petit truc au début qui m'a un petit peu freiné. Mais on va le voir, je vais vous montrer quelques rides avec. On va la tester. On va prendre la board en main. Ce qui est cool, on le voit, la Carver nous a fait une petite indication. C'est le centre de la planche, donc il n'y a pas de grip entre les deux. C'est l'endroit où vous allez positionner votre pied. Donc je suis là, je suis bien dans l'axe. Je regarde, je mets toujours beaucoup de poids là-dessus. Hein. Faut que je sois solide. Et on le voit, c'est un truc, si jamais je me mets sur le côté, bah ça va pas très bien se passer. Donc vous avez cette ligne, on se met au milieu juste avant les vis. On est en position. Et là on va pouvoir partir, donc je mets du poids, je pousse, et c'est bon. Hop, une fois qu'on est lancé, on met le pied derrière, pareil au niveau des vis. Donc là ça dépend aussi de votre gabarit, hein. Il faut surtout que vous soyez à l'aise, et que vous puissiez bien envoyer des deux côtés. Allez, jouez avec le truc avant, jouez avec le truc arrière. On le voit là, juste avec mon pied gauche, j'arrive à générer de la vitesse. Pourquoi? Parce que ce truc est quand même bien joueur, même si c'est beaucoup moins flexible qu'un yo ou qu'un smoothstar. Donc sur du flat, moi je peux faire un petit peu yo, mais ça reste des choix très personnels. On voit que c'est quand même une planche qui réagit bien, hein. Dès que je vais à droite, à gauche, à droite, à gauche. Pour générer de la vitesse, il va falloir mettre un petit peu plus d'amplitude. Donc là on va le voir, au lieu d'aller juste là, je vais aller chercher là-bas. Voilà, ça réagit bien, mais il faut mettre de l'énergie. L'énergie parce que la board est longue, elle est un petit peu lourde, donc il faut réussir à la bouger. Mais on voit qu'au bout de quelques sorties, ça se prend quand même en main assez facilement. Enfin, on va essayer d'accélérer un petit peu, on va voir si la tête va se sur lequel vous avez de la place, vous pouvez essayer des choses qui se rapprochent du longboard, notamment tout ce qui est cross-step, etc. Moi je suis en apprentissage sur le cross-step, je vais quand même vous montrer. On est là, on se met beaucoup, on se libère de la place devant, on fléchit, on pose, tac, on a cross-steppé, on est revenu, et c'est ok. On le voit, il y a de la place. Vous pouvez même rester comme ça au milieu, très très particulier comme position. Petite prise en main par la jacotte aussi, elle l'a jamais utilisée, donc on est vraiment sur les premiers tests. On voit que ça se rapproche un peu plus de sa Waikiki Yo, même si c'est moins flex. J'ai l'impression qu'elle n'est pas trop déboussolée. Hein. On va essayer de déraper un petit peu les jacos. C'est parti. Ouais, c'est une planche quand même. C'est un gros gabarit. Pour l'envoyer déraper, il faut envoyer de l'énergie. Faut vraiment que j'ai confiance quand même pour mettre à cet endroit là. Alors Jacob, quel est le petit ressenti sur la Carver Green Room C7? Moi j'aime beaucoup le fait qu'elle soit très grande. Ok. Et du coup il y a de la place pour faire des grands gestes aussi.
Et après pour la vitesse, au début j'avais un peu peur parce qu'elle était très souple. J'ai l'impression plus que maillot. Ouais. Et au final après on s'habitue. Une fois qu'on a bien gainé sa jambe avant, c'est bon. On a le truc, c'est ok. Donc la guibole avant est bien gainée, c'est ok. Et du coup entre Taïo Waikiki et la Green Room C7. Maillot Waikiki. Ah ouais, c'est quoi pour toi les petites diffs entre les deux? Parce qu'il y a un côté plus longboard de surf. Elle est vraiment plus grande. Et du coup je peux avoir les jambes encore plus écartées et il n'y a pas le tail de derrière que pourtant j'aime bien sur ma Long Island. Mais sur la yo, enfin, sur les longs bords, j'ai envie vraiment pouvoir bouger au même niveau sur toute la planche. Ok, ça se vaut. Donc je préfère ma yo Waikiki même si celle-là est très 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 cool. Voilà. Allez Jaco, fin du petit test. Donc qu'est-ce qu'on pense de cette Green Room C7? C'est une bonne question. Moi quand je l'ai reçue au début, j'étais trop chaud de l'avoir parce que je la trouvais trop belle. J'ai été un peu déçu sur les premières sorties, je l'ai trouvé difficile à bouger. J'ai eu plusieurs retours aussi d'autres personnes de la communauté qui m'ont fait ce feedback. Finalement là, après quelques sorties, quelques sessions, bah, je prends de plus en plus de plaisir avec. Donc comme quoi, il faut laisser une seconde chance parfois à ces surfskates. C'est un format moi qui me plaît bien, parce qu'on disait tout à l'heure, il faut aller chercher de l'amplitude, faire des grosses courbes. Totalement différent du surfskate de Penny qu'on a testé la dernière fois. Le surfskate de Penny, il faut vraiment être rapproché, tac, 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 tac. Là, on peut se permettre d'aller un petit peu plus loin, de faire des cross-steps, de faire des dérapages. Donc, on peut faire quand même pas mal de choses avec. Je tenterai pas forcément le ball avec ce format de planche parce que ça reste quand même très gros, très large. Donc, je pense qu'il y a des formats un petit peu plus adaptés. En pump track, ça doit passer parce qu'on n'est pas non plus sur un format longboard. Et je trouve l'un des gros avantages de Carver, c'est quand même la qualité des grips. Quand on regarde sur Yo, il y a souvent des grips qui sont un petit peu mal posés ou la colle a du mal à tenir. Là, on voit que c'est carré. Ça tient, ça reste très sobre, hein, du coup on n'a pas forcément de déco. Donc après c'est une planche que je vous invite à tester, ou alors tester des gabarits un petit peu dans ce format là. C'est très différent des planches en 31-32 pouces. Donc planche sympa, je pense à avoir vraiment dans sa petite collection. Après en premier surfskate, ça dépend aussi de ce que vous cherchez. Donc si jamais vous hésitez, et si vous voulez acheter un autre surfskate, le plus simple ça reste soit d'aller essayer, soit à minima de m'envoyer un message pour que je puisse vous donner mon avis, comprendre un petit peu ce que vous cherchez à faire. Est-ce que vous voulez le secret pour bien rider une Carver Green Room C7? Très très simple, tout simplement avoir un t-shirt de Jaco. Franchement j'avais essayé avec ou sans, et je vois qu'avec un t-shirt Palmito c'est quand même beaucoup plus simple. Allez, let's go. Salut Jaco. Salut.